Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est avec Johan Lolos qui va nous rejoindre dans un instant. Juste le temps de vous dire que ce live se fait dans le cadre d'un mastercamp que je réalise avec les étudiants de l'IEX qui sont avec moi pendant cette semaine-ci. On travaille sur des enjeux évidemment de relations publiques, de communication, de marketing. Salut Rafi Kim, salut it's Laetitia Ocha. Salut, JT Brace. Hello, le plat pays, comment ça va? Ben, ça va plutôt bien. Fait un peu frisqué quand même, hein, pour l'instant. Ben après, on est à 2 jours de Noël. Il y a eu des décisions hier concernant le Covid qui passe assez mal du côté de la culture. Et on aura sans doute l'occasion d'en reparler parce que c'est assez dramatique ce qui est en train de se passer. Mais voilà, là pour l'instant et pour l'heure, je vous propose donc d'accueillir hop, Johan qui est avec nous. Salut Johan. Salut Damien, comment vas-tu? Ah bah bien, bonjour le chat. On aura salut Denis, salut Géplouf. C'est cool de te revoir parce que ça fait un bout de temps en fait qu'on se croise, qu'on se voit en vrai, en ligne, à gauche, à droite. T'es aussi un ancien de l'IEX, il se fait. Tu vas nous raconter un peu ton parcours et si je t'ai invité aujourd'hui, c'est pour parler entre autres d'un nouveau projet que tu as lancé. T'es photographe et les C'est photographes ça. aujourd'hui ont une perspective ouais, assez cool de pouvoir travailler avec les nouvelles techno. Et tu vas nous en toucher un peu plus par rapport au projet que tu es en train de lancer. Tu es en Belgique pour l'instant? Je suis en Belgique, ouais. Je suis chez moi à Liège, près de Liège. Ok. Peut-être 2 mots ton parcours pour situer un Alors, peu d'où tu viens bien sûr, et ouais. ce que tu fais. Alors, mon parcours, ben, comme tu l'as très bien mentionné, je suis un ancien de l'IEX. J'ai fait les RP aussi. J'ai été diplômé en 2013. Dans le cadre de mes études à l'IEX, j'étais très entrepreneur. J'étais lié à pas mal de projets. J'étais aussi dans le CX. En parallèle de mes études, j'avais lancé un blog sur les festivals de musique en Belgique qui s'appelait Belgian Music Festival. Donc, j'ai toujours aimé créer des trucs, créer des projets, etc. Être sur bon, c'était le début des réseaux sociaux, hein. C'était vraiment l'ère du Facebook à l'époque. Puis en gros, grosso modo, en 2013, après mon stage de RP, je suis parti voyager. J'avais envie de voyager, donc je suis parti 1 an en Australie. Après ça, je suis resté un an en Nouvelle-Zélande, donc finalement 2 ans en tout. Et durant ces 2 ans d'études, durant ces 2 ans de voyage, pardon, ben, vu que j'avais déjà un certain background en photo que j'avais appris durant mes études à l'IEX et j'avais déjà tout le matos qu'il fallait, ben, j'ai commencé à prendre des photos de mes voyages, principalement du paysage. Et en fait, voilà, là, c'était en 2014 et c'était vraiment le tout début d'Instagram. Instagram existait déjà. Pardon, j'ai une mouche dans l'œil. Instagram existait déjà, il avait déjà été racheté par Facebook quelques années auparavant, mais c'était vraiment le tout début d'Instagram dans le sens où on parlait pas encore du tout d'influenceurs, on parlait pas encore de pouvoir gagner simplement sa vie grâce aux réseaux sociaux, ça n'existait pas. Et vu que moi j'étais en gros, je venais d'être diplômé, j'étais quasi dans la dèche et j'avais surtout l'envie de voyager pendant plusieurs années. Il fallait que je trouve un moyen pour pouvoir voyager à moindre frais, quoi. Et donc très vite j'ai vu une opportunité, sachant que j'étais en Australie et que l'Australie c'était vraiment un des pays les plus pionniers en la matière, dans le sens où il y avait des personnes, des photographes amateurs ou semi-professionnels qui postaient des photos sur Instagram, qui collaboraient avec des offices de tourisme régionaux et qui étaient payés pour ça. Et donc, ben voilà, en fait, j'étais au parfait endroit, au parfait moment. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire ça. Vu que je pense que je fais des belles photos, je vais aussi, moi, essayer de get my name out there, comme on dit, et essayer d'être vu et essayer de choper quelques petits contrats par-ci, par-là, ou en tout cas, ne fût-ce que d'être invité pour voyager gratuitement. Donc, j'ai vraiment, pendant 2 ans, pendant mon année en Australie, pendant mon année en Nouvelle-Zélande, j'ai investi quasi tout mon temps à tenter d'arriver à ce goal, quoi, à cet objectif. Et ça a plutôt bien payé. Donc, quand j'ai quitté l'Australie, j'avais déjà pas mal d'abonnés sur Instagram. Et en fait, c'est vraiment en Nouvelle-Zélande que ça a explosé parce qu'en Nouvelle-Zélande, j'ai vraiment trouvé un style qui me correspondait. Je suis vraiment tombé amoureux des grands espaces, de la nature, des montagnes. Je me suis posé à un endroit qui s'appelle Wanaka où j'ai vécu 7 mois, où j'étais en collaboration avec l'office de tourisme là-bas. Et en gros, là, mon compte a explosé. Il a dépassé les 100 000 abonnés. Mes premiers clients sont vraiment arrivés. Et en gros, pour la faire court, à partir de mars 2015, je me suis dit, OK, je me lance vraiment comme photographe à temps plein, quoi.
Et donc là, ça va faire 7 ans que je suis photographe. Photographe, on voit ton compte Insta est bien fourni. Ça t'a permis d'en vivre. Tu en vis encore aujourd'hui quasi exclusivement de ça, ou tu as développé d'autres choses? Tu as une chaîne YouTube aussi. C'est photographie vidéo, c'est deux choses qui sont in fine très complémentaires, puisque les devices aujourd'hui permettent de le faire, mais c'est pas la même grammaire, c'est pas tout à fait la même chose. C'est ça, c'est vraiment pas la même grammaire, tu fais bien de mentionner. Moi, j'ai toujours été passionné par la vidéo, alors j'ai vraiment très peu de formation, si ce n'est celle de l'IEX. Et bon, après, voilà, en tant que photographe, finalement, on utilise quasi les mêmes outils et la théorie reste plus ou moins la même. Maintenant, c'est sûr que pour avoir déjà essayé de me mettre à la vidéo à proprement parler, hormis YouTube et l'aspect un peu plus studio, c'est très difficile de se concentrer sur les deux choses à la fois quand je suis en voyage. C'est quasi impossible si je suis pas accompagné d'un assistant ou d'un mec qui va pouvoir vraiment m'aider pour la partie vidéo. Pour moi, je trouve ça très compliqué de pouvoir me concentrer à la fois sur la capture de photos et de vidéos pour un même sujet. Enfin voilà, je sais qu'il y en Ah a ouais, qui c'est arrivent. Moi, j'arrive pas du tout. Donc du coup, je me suis vraiment concentré sur la photo exclusivement. Et comme tu dis, voilà, la vidéo. Bon, j'avais pendant depuis 2 3 ans l'idée de lancer une petite chaîne YouTube qui serait exclusivement destinée aux photographes ou aux amateurs de photos en tout cas. Mais voilà, une chaîne YouTube qui parlerait un peu de l'envers du décor du métier de photographe. C'est dans la même optique que j'ai lancé mon podcast début de cette année. Ou pareil, là c'est plutôt des interviews de photographes et je les interviewe sur vraiment l'envers du décor de leur métier et sur les aspects un peu plus, pas, je vais pas dire tabous, mais bon, en tout cas les aspects qui font moins rêver, quoi, parce que la vie de photographe, ça fait rêver beaucoup de gens, j'ai l'impression, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de côtés un peu plus sombres, plus négatifs, et on n'en parle jamais, en tout cas c'est vraiment rarement documenté sur Internet, et j'avais envie. Bah pour tous les photographes aspirants et ceux qui s'intéressent à un genre particulier, hein. Par exemple, moi je suis photographe plutôt axé voyage et paysage. La photo animalière m'attire beaucoup, mais je connais très peu de choses à ce sujet. Bah, j'avais envie d'interviewer un photographe animalier professionnel et lui poser toutes les questions sur comment est-ce qu'il gagne sa vie en tant que photographe animalier, c'est quoi les trucs un peu plus les trucs un peu plus touchy de ce métier. Donc voilà, c'est ça l'idée du podcast. Et alors, pour répondre à ta première question, est-ce que j'ai envie à 100%? Je vis à 100% aujourd'hui de mon métier de photographe. Alors, c'est vrai que quand j'ai commencé, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, il y avait cet aspect un peu plus influence qui était clairement une de mes sources de revenus à l'époque. Alors, c'est clair qu'aujourd'hui encore, je vais peut-être accepter un ou deux contrats par an, un peu plus axé à influenceur. Moi, aujourd'hui, je me définis plus du tout. Je crois que je me suis jamais défini comme un influenceur. Maintenant, malheureusement, c'est difficile de combattre les marques et les agences RP qui vont toujours te mettre des étiquettes là-dessus. Voilà, moi, c'est quelque chose. Pour moi, je me suis toujours considéré comme photographe et c'est comme ça que je me définis avant tout. Et l'idée de la chaîne YouTube et du podcast et ici maintenant les nouveaux projets NFT, on va en parler. C'est aussi un peu pour me donner un peu plus de crédibilité dans le milieu standard, dans l'industrie de la photo où il y a beaucoup, beaucoup d'aspects péjoratifs quand les gens voient que tu viens d'Instagram, quoi. Ils voient que tu viens d'Instagram, ils disent, mais en fait, t'es pas un photographe, t'es juste un influenceur, t'es juste un Instagrammeur. Et toi, t'essayes vraiment de batailler, mais non, enfin, mec, derrière moi, c'est que des livres photos, j'ai la même culture que toi, je vais au même musée que toi, je connais mon métier, mais c'est pas parce que j'ai commencé sur Instagram que je suis juste un Instagrammeur, quoi. Donc, il faut batailler ferme et l'idée du YouTube où je parle aux photographes, et l'idée du podcast où je parle avec les photographes, c'était vraiment pour m'affirmer aussi en disant, je suis pas juste un Instagrammeur ou un influenceur, loin de là, quoi. Je suis un photographe et je connais mon métier. Donc c'était un peu tout ça ensemble. C'est étonnant quand même ce retour de manivelle par rapport à Instagram, de se dire, enfin, de retour de manivelle, je sais pas comment il faut le dire. C'est justement pendant tout un temps, on a pensé que c'était un gage de crédibilité de dire qu'on avait percé sur Insta en se disant, ah, ben, voilà, j'ai réussi à me faire connaître. Et là, c'est un peu c'est un peu l'autre En face fait, de la. ça dépend pour qui. Effectivement, pour les professionnels de la com, je pense que ça a un réel gage de crédibilité, comme tu le dis. Maintenant, quand je te parle des acteurs de l'industrie plus ou moins standard photographique, je fais notamment référence à des galeristes, des iconographes, des curateurs, des éditeurs de magazines, ce genre de mecs ou de filles, hein, qui n'ont pas été habitués à travailler, parce que bon, ils travaillent avec des photographes avant même
la naissance des réseaux sociaux. Donc, je crois que beaucoup ont vu d'un mauvais œil la naissance d'Instagram et surtout la naissance de beaucoup de photographes qui, comme moi, ont réussi à se faire un nom ou ont réussi à se dire, je peux vivre de la photo grâce à un propulseur qui est les réseaux sociaux, tu vois. Donc, je pense que ça a été vu d'un mauvais œil de leur part. Maintenant, je pense que justement, et on va en parler, la naissance des NFT, en tout cas l'apparition des NFT dans le monde de la photo, de l'art en général, mais surtout de la photo, est vraiment un. Ça unit vraiment toute l'industrie photographique, quoi. Et c'est incroyable de voir ici, moi, pendant les 5 dernières années, j'ai eu une espèce de syndrome de l'imposteur auprès de photographes dont j'admirais le travail depuis des années, qui n'ont pas spécialement percé sur Instagram. Tu vois, je parle de photographes qui ont moins de 10 000 abonnés, mais qui sont des références absolues. Et quand j'essayais de leur parler sur Instagram, c'était limite s'ils ne me prenaient pas de haut. Et maintenant, sur les NFT, en fait, tu as vraiment. On fait tous partie de la même famille, quoi, parce qu'on a tous un seul objectif, c'est ben, on croit tellement à cette technologie et des NFT, et surtout, et on va en parler un peu plus longuement plus tard, j'imagine, on croit surtout en cette révolution, parce que pour moi, en tant qu'artiste et en tant que photographe, c'est une réelle révolution d'un point de vue financier, mais d'un point de vue artistique aussi, parce que la réalité est aujourd'hui, et je crois que là pour le coup, c'est la réalité pour tous les photographes que je connais. C'est que c'est difficile de vivre exclusivement des photos que tu aimes prendre. Et donc, tous les photographes aujourd'hui, que tu sois du voyage, que tu sois du mariage, du docu, du photojournalisme, la plupart des gens qui ne vont pas se contenter d'un salaire de base, admettons, disons 1500 euros net par mois, qui ne vont pas vouloir se contenter de ça, ils vont d'office devoir accepter des contrats un peu plus corporate, un peu publicitaire. Moi, mes contrats corporate, ça va être quoi? Ça va être de l'influence, typiquement. Ou ça va être shooté. Ici, par exemple, ça fait 5 ans que je bosse avec Toyota. Bon, j'adore mon partenariat avec Toyota, mais c'est sûr que prendre des photos de bagnole, c'est pas le truc qui m'excite le plus, par exemple. Je vais plutôt préférer. Non, mais c'est pour te donner un exemple très Ouais, mais concret. c'est ça fait Et les bouillir la photographes marmite, hein, comme on dit. documentaires. Exactement, voilà, c'est des jobs alimentaires. Les photographes documentaires dont j'admire le travail, qui sont, encore une fois, pas très populaires sur les réseaux sociaux. Moi, j'adorerais avoir leur vie. C'est des mecs qui vont autofinancer des projets. Ils vont partir, je te donne un exemple, ils vont partir 3 mois en Laponie, documenter une certaine histoire en Laponie, tout à leurs frais. Ils vont revenir. Ben forcément, déjà, ils n'ont pas été commandités parce que les magazines ne commanditent plus aujourd'hui. C'est très rare quand c'est le cas. Donc, ils vont revenir. Ils auront dépensé 10 000 balles pour produire leur projet et puis ils vont essayer de le vendre à 2, 3 magazines avec l'espoir au moins de rentabiliser tout ça. Mais quand je leur demande comment est-ce que tu vis en tant que photographe documentaire, tous me disent, je te le montre pas sur les réseaux sociaux, mais à côté, je fais de la pub, quoi. Je fais de la photo de pub. C'est comme ça que je vis. Et en fait, les NFT aujourd'hui, et je vois qu'il y a des gens dans le chat qui se demandent c'est quoi les NFT et on va introduire tout ça. Mais les NFT, c'est quoi? Ça va permettre aux artistes, aux photographes, mais je dis artistes au sens général parce qu'on parle beaucoup de crypto-art, de pouvoir se concentrer à 100% sur ce qu'ils aiment photographier, ce qu'ils aiment créer, et avoir la possibilité potentiellement d'avoir leur art être collectionné, acheté par des investisseurs, des spéculateurs, des collectionneurs ou autre, quoi. Donc voilà, je pense que j'ai lancé le sujet là. Ah bah oui, on va essayer de répondre à la question évidemment de chat qui demande c'est quoi un NFT. Coucou d'ailleurs sans créature qui est à l'autre bout du monde je pense pour l'instant. Merci à toi d'être venu dans le chat, c'est cool. Bonne nuit, endors-toi bien. En parlant d'NFT encore une fois puisque c'est un sujet évidemment qui revient beaucoup. C'est quoi ta définition à toi des NFT? Parce que alors techniquement on peut évidemment avoir une définition très très concrète basée sur la blockchain et sur le caractère non fongible, c'est-à-dire que c'est une espèce de tampon de certificat qui valide et qui sécurise le fait qu'un asset numérique puisse être échangé, vendu, transféré, la propriété d'un objet numérique grâce à la technologie de la blockchain, les non-fungible tokens. On pourra vous mettre des liens évidemment pour aller creuser ça, mais c'est une des choses qui est la techno qui supporte. Les NFT, la blockchain a beaucoup, beaucoup d'autres applications que dans le domaine artistique.
Mais évidemment, le domaine artistique, avec tout ce que ça comporte comme irrationalité aussi, quand on parle d'art, bah, il y a les goûts, les couleurs, et donc forcément, il y a des choses qui en est. On se dit, mais est-ce que ça vaut vraiment tout cet argent-là? Bah, oui, parce que pour la première fois de l'histoire de l'humanité, et des technologies et d'Internet, on peut transmettre la propriété d'un objet numérique à quelqu'un, puisque c'est validé et sécurisé par la blockchain. La blockchain qui est d'ailleurs par ailleurs la technologie qui supporte le Bitcoin et les crypto-monnaies. Comment toi t'es mis les pieds dedans, je veux dire ça comme ça. Qu'est-ce qui a fait qu'en tu t'es dit, oh putain, là il y a un truc qui va faire que ça va changer le game pour des gars comme moi. C'est marrant parce que je crois qu'on se souvient tous un peu de nos premières fois dans tous les domaines. Et la première fois que j'ai entendu le mot NFT, je m'en souviens parfaitement, c'est drôle. C'est un pote, un ancien Yexin que tu connais très bien. Je pense que tu le connais bien, c'est Sébastien Després Seb. il est venu dormir à la maison c'était en février de cette année. Et un soir, il me dit, écoute, mec, faut que je te parle des NFT, quoi. Je pense que ça va t'intéresser. Et donc, j'avais jamais entendu parler des NFT de ma vie. Bien sûr, j'ai investi un peu en crypto en 2017. Et à l'époque, on parlait beaucoup des CryptoKitties. Mais j'avais aucune idée de ce dont il s'agissait vraiment. Je comprenais pas du tout le concept. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette merde? Vraiment, je comprenais pas. Et en fait, c'était déjà un NFT, quoi. Avant même qu'on parle de NFT, c'était déjà un NFT. Donc, en gros, j'avais déjà été soumis à cette application. Mais donc, vraiment, la première fois qu'on m'en a parlé, c'était ici en février de cette année, début février, par mon pote Seb. Et donc, forcément, il m'a dit, écoute, toi, en tant que photographe, ça pourrait t'intéresser. J'ai un œil dessus. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis intéressé. J'ai regardé quelques vidéos sur YouTube, quelques articles en ligne. Et très vite, je me suis rendu compte que il y avait très peu de place pour la photographie à l'époque. On parlait pas du tout de photos NFT. C'était beaucoup. Bon, c'était. On parlait de crypto art, bien sûr, mais c'était beaucoup d'artistes digitaux. C'était beaucoup d'illustrations, beaucoup d'animations 3D, beaucoup. Et puis les fameux profile picture projects. Mais en gros, quand je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire, c'est quand les premiers photographes ont commencé à rejoindre cette communauté NFT qui se passe en fait sur Twitter. Donc j'en ai profité pour réactiver mon compte Twitter que j'avais créé en 2000, 2009, je pense. Et là, vraiment, en voyant les. Ben, en fait, je pense que là, pour le coup, pour être tout à fait honnête, comme la plupart des gens qui ont débarqué dans le monde des NFT, la première chose qui est attrayante, c'est l'aspect financier et l'aspect lucratif. Tu dis, qu'est-ce que c'est que ça? Comment est-ce que des gens, des artistes, parce qu'il n'y a pas que des artistes dessus, parce que tu pourrais tout à fait juste décider d'acheter des NFT pour spéculer dessus et les revendre à bénéfice. Mais d'un point de vue création d'NFT, tu te dis, comment est-ce que c'est possible que des gens vendent finalement des fichiers JPEG? Encore une fois, je précise après, mais ils vendent pas des fichiers JPEG. Mais quand t'es un noob, t'as l'impression qu'ils vendent des fichiers JPEG pour des dizaines, des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros, voire des millions, quoi. Il y a des gens, en fait, en février, le monde entier en a parlé. Je pense que tu avais même fait une chronique sur LN24, peut-être, à propos de Beeple, il semble. Beeple, qui est un artiste américain, qui pendant 500 jours a créé une œuvre, a partagé, créé et partagé une œuvre d'art sur son compte Instagram. Et il a fait un melting pot de ses 500 œuvres. Corrige-moi si je me trompe quelque part, mais et il a créé un fichier de ses 500 œuvres en tout ensemble. Et il les a vendues en NFT sous forme de vente aux enchères chez Christie's, si je me souviens bien, pour 69 millions de dollars. Donc là, toutes les news, tous les médias du monde entier, forcément, ont repris l'info tellement que c'était énorme. Il est devenu directement, je pense, le deux ou troisième artiste vivant le plus cher au monde. Donc forcément, sur base d'un JPEG, ça faisait parler, quoi. Et forcément, moi, c'est dans cet aspect-là aussi qu'au début, je me dis, tiens, ça pourrait être intéressant, d'autant plus que, comme je l'ai dit il y a 10 minutes, c'est pas facile, facile, finalement, de vivre de sa photo et de sa passion. Donc voilà un peu Beeple, comment ça c'est arrivait. un peu l'arbre qui cache la forêt, hein, parce que aujourd'hui des NFT, des communautés NFT, il y en a un paquet. Il y a une hype incroyable autour de tout ça. Et comme tu dis, il y a l'appât du gain quelque part de se dire je vais acheter un objet numérique qui vaut trois fois rien, puis je vais le revendre derrière en faisant fois 1000, fois 100 000 et être millionnaire aussi. C'est rarement le cas, et ça va être de moins en moins le cas parce que forcément la hype va retomber à un moment donné. Il y a 99% des projets qui vaudront juste plus rien dans 6 mois ou dans 1 an. Et seuls les artistes, j'allais dire les vrais artistes, mais
les artistes qui mettent corps et âme là, dans leurs œuvres, dans les communautés qui les supportent aussi, parce que là-dessus, il n'y a pas grand-chose de neuf, hein, l'art d'un artiste, les productions d'un artiste sont valorisées par sa communauté, qui y croit, qui veulent l'aider et qui pensent que ça a du sens, tout simplement. Après, il y a tout l'aspect spéculatif, il y a tout l'aspect génératif aussi. L'art génératif est quelque chose qui fonctionne Tout à fait, de ouais. manière très, très intéressante aussi. D'un point de vue culturel, c'est fascinant à observer d'ailleurs. Mais pour le coup, toi, tu t'es dit, avec mes photos, pour nous, les créateurs de contenu, ne fût-ce que dans la capacité à pouvoir traquer l'usage qui est fait et de mettre un certificat derrière. Alors tu dis un JPEG, il y a une remarque qui revient très souvent. Merci pour le follow, Ricardo. Il y a une remarque qui vient très souvent, c'est mais pourquoi j'achèterais un truc où il suffit de faire clic droit, sauvegarder et Tout j'ai quand à même fait, ouais. l'image chez moi. C'est le mime du NFT, ouais. Voilà. Et ce qui n'est pas faux dans l'absolu. Tout C'est à fait, c'est évident, vrai. mais c'est exactement comme la différence entre acheter le poster d'un Van Gogh quand vous allez au musée et vous pouvez le mettre dans votre chambre, ça vous a coûté 20 balles, ou avoir le vrai Picasso ou le vrai Van Gogh dans votre salon qui va vous coûter bonbon. Je On pense est qu'il faut se mettre dans souvent. la peau, il faut se mettre dans la peau d'un fan. Ou d'un fan, je pense qu'il n'y a pas de meilleur mot. Et donc, effectivement, moi, là, je crois que ça fait 4 mois que je saoule tous mes potes et toute ma famille entière avec les NFT. Donc, ils ont beaucoup de mal à comprendre le concept aussi. Donc, chaque fois, j'essaie un peu d'avoir des analogies pour qu'ils comprennent. Et tous me disent, mais pourquoi est-ce que j'achèterais, pourquoi est-ce que je paierais 10 000 euros pour une de tes photos en version digitale, alors que effectivement, je peux l'avoir de toute façon, je peux en profiter tout autant que celui qui va de l'acheter, quoi, vu que elle est partout, finalement, elle est accessible partout sur Internet. Et donc, j'essaye de trouver des analogies et je me dis, voilà, par exemple, moi, je suis un énorme fan de Daft Punk, paix à eux d'ailleurs, paix à leur âme, ça va faire un an. Mais admettons qu'ils existent toujours. Je me dis, ok, si Daft Punk balance, parce qu'aujourd'hui, il y a des musiciens qui débarquent dans le monde des NFT, il y a des musiciens qui balancent des albums exclusivement à NFT. Je pense que c'était Booba, un des premiers qui a dû faire, si je me souviens bien. Admettons que Daft Punk te dise maintenant, OK, on va balancer notre prochain album. Ou non, je crois que l'album, c'est un peu trop trash. Admettons, vu que les Daft Punk sont très liés quand même au monde artistique, disons qu'ils vont dire, voilà la pochette de notre prochain album et on va en faire un NFT et cette pochette, ce NFT n'existera qu'en un seul exemplaire. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui pourra pouvoir dire, je suis le propriétaire de cet album, de cette pochette. Mais honnêtement, en tant que fan, je me pose même pas de la question de me dire, putain, en fait, je pourrais quand même faire clic droit, enregistrer sous. Non, j'ai envie d'être le seul mec au monde et pouvoir l'afficher publiquement sur la blockchain en disant, c'est moi qui possède, quoi. Donc là, l'aspect fanatique, tu comprends beaucoup plus pourquoi, en fait, t'irais dépenser des milliers pour, en fait, parce qu'en vrai, ça ne t'apporte absolument rien. C'est juste une satisfaction personnelle de dire, c'est moi qui ai le propriétaire. Comme ça t'apporte rien de payer le dernier Van Gogh ou Picasso et de l'avoir chez toi. Toi, ça ne t'apporte rien. Si ce n'est que tu es juste super fier et content de te dire c'est moi qui le possède et de le montrer à tes potes quand ils viennent chez toi, quoi. C'est un concept assez abstrait, c'est clair, mais Bah voilà. c'est le côté j'en fais partie quoi. Je voudrais pas louper cette occasion de montrer. Et c'est vieux comme le monde hein. Ce qu'on porte comme fringue en disent de nous le fait de faire la file pendant 3 jours devant l'App Store pour acheter le premier iPhone Exact, ouais, ça dit des choses de exact. vous et de pourquoi vous le faites et voilà, c'est une façon aussi de l'assumer. Et aujourd'hui on a cette surcouche là numérique qui arrive qui fait qu'on va pouvoir habiller nos avatars. Et c'est aussi toute une tendance qu'on voit sur Twitter beaucoup, c'est on remplace sa photo de profil par l'avatar qu'on s'est choisi, qu'on s'est acheté, par le NFT qu'on a utilisé. Les plus connus, c'est les Bored App, le Yacht Club qui en met. Enfin, c'est ouf quand on voit. Ça fait pas un an, quoi. Ça fait pas un an et on a des Ouais, ça fait. productions qui valent des millions de dollars. J'étais déjà vraiment fort actif dans la communauté NFT quand ce projet a démarré et qu'il valait rien. J'ai vu tous mes potes l'acheter. Je me dis, encore un truc, ouais. Et puis aujourd'hui, c'est pareil, quoi. Ça vaut des centaines de milliers de dollars, quoi. C'est hallucinant. Les CryptoPunks, pareil. Enfin, les CryptoPunks, ils étaient vraiment les premiers projets. Ben, c'est fou de se dire que finalement, une simple image peut se rendre aujourd'hui des millions de dollars, quoi. C'est complètement hallucinant.
Mais c'est Mais parce voilà, qu'il y a comme ce tu côté disais, appartenance communautaire. C'est ça, c'est enfin, c'est appartenance les communautés qui communautaire. sont Et puis c'est derrière les sont ouf. premiers, quoi. C'est les premiers, et donc Comme toujours. forcément, ça prend de la valeur, c'est clair. Et là, je vois dans le chat qu'il y a 100 créatures qui mentionnent un autre détail important, qui est effectivement très important, qui est une révolution. Rien que ça, c'est une révolution pour tous les artistes du monde entier. C'est qu'aujourd'hui, moi, voilà, je vends des tirages physiques de mes photos. Donc, toi, Damien, si tu m'achètes un tirage physique, tu vas le payer, je sais pas, disons 2000 euros. Et puis, dans 10 ans, je serai un peu plus célèbre et tu vas pouvoir leur vendre 20 000 euros. Mais c'est toi qui gardes les 20 000 euros. Aujourd'hui, dans le monde des NFT, moi, si je balance un NFT et que je le vends 2000 euros, bon, en crypto-monnaie, disons, donc 0,5 Ether, tu l'achètes 0,5 Ether, mais que demain, tu le revends 2 Ether. Mais moi, je vais gagner 10% de ce que toi, tu vas vendre, quoi. Et ça, ad vitam aeternam, toutes les reventes secondaires de l'œuvre originale, l'artiste original va toujours gagner, va toujours toucher des royalties. En moyenne, c'est 10%. Mais rien que ça, c'est un concept absolument incroyable et révolutionnaire dans le monde de l'art, quoi. Ça s'est jamais vu auparavant. Donc, Et ça, c'est parce c'est que de ça. nouveau, la technologie qui supporte ça, ce sont ce qu'on appelle des smart contracts. Merci pour le follow, Norin. C'est parce que les smart contracts, donc, ce sont des contrats intelligents qui sont cramés dans la blockchain. Donc, c'est au moment où on crée le NFT, on va avoir dans le contrat même du NFT, on va dire, bah voilà, à chaque fois que cette œuvre va être vendue à un tiers, à chaque fois qu'elle va circuler, l'auteur original va gagner X%. C'est dans le NFT, il faut vraiment le comprendre comme ça. C'est dans son ADN, chaque NFT a son propre Ça. code, quelque part, et ce contrat se déclenche automatiquement. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a toute une série d'applications, toute une série de projets, toute une série de vraiment d'applications très industrialisantes, de supply chain, par exemple, de suivre la chaîne de production de quelque chose à l'autre bout du monde, avec toute une série d'intervenants, toute une série de producteurs qui vont être rémunérés tout au long de la phase. Dès que c'est vendu, en fait. On est en train de documenter des processus comme cela pour essayer justement d'essayer de les expliquer, voilà. Au plus grand nombre, parce que ça reste cryptique et ça continue d'évoluer. Mais dans le monde de l'art, ça, tu l'as souligné, c'est vraiment quelque chose qui est très très nouveau dans la façon de rémunérer des artistes, des auteurs. C'est une façon aussi d'imaginer le droit d'auteur d'une toute nouvelle manière, en fait. Bien sûr, c'est tout à fait. Alors, d'un point de vue fiscal, je ne sais pas si ça va être considéré, perçu comme du droit d'auteur, malheureusement. J'aimerais que ce le soit, mais je ne suis pas encore sûr que ce le sera. Mais clairement, oui, en soi, ça l'est, quoi. Enfin, tu touches des royalties, donc, ouais, en soi, pour moi, ça devrait être considéré comme du droit d'auteur. Franchement, c'est une révolution, clairement. Et comme quelqu'un vient de le mentionner dans le chat, c'est aussi vraiment une manière de s'émanciper des majors, ici, ils parlent de la musique, mais c'est valable pour tous les domaines artistiques, quoi. Ici, reprenons le cas de la photo, mais c'est sûr que le milieu artistique, le vrai milieu art, la photo d'art à proprement parler, donc typiquement, tu vas, chaque année, il y a le plus gros événement de la plus grande foire de photos au monde qui est à Paris, qui s'appelle Paris Photo, tout simplement. Donc, tu vas à Paris Photo, tu as toutes les galeries, les plus grandes galeries du monde entier qui sont là et qui exposent leurs plus grands artistes. Mais honnêtement, bonne chance pour être là, quoi. Parce que c'est quand même, tu as un sacré gatekeeping qui a lieu. Tous les photographes ne vont pas pouvoir avoir la chance d'être exposés dans les plus grandes galeries du monde. Ici, en l'occurrence, aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'avoir été accepté sur la marketplace. Donc, pour vendre des NFT, je vais pouvoir expliquer ça un peu plus tard, mais soit tu les vends avec ton propre smart contract sur ton propre site web, si tu sais, enfin, si t'as un développeur qui peut gérer tout ça pour toi, ou alors pour te faciliter la chose, il y a des marketplaces type eBay ou des marketplaces, quoi, des sites web où tu peux alors aller vendre tes NFT dessus et eux vont prendre une commission dessus. Les marketplaces, on peut les associer à des galeries en ligne, aussi simple que ça. Donc, tu as des galeries qui sont vraiment ouvertes à tout le monde. Typiquement, la plus connue, elle s'appelle OpenSea. Puis, tu as des galeries qui sont super exclusives, un peu finalement comme les galeries d'art dont je viens de mentionner qui sont à Paris chaque année. Et ici, en l'occurrence, celle sur laquelle je vends moi, ça s'appelle Super Rare. Super Rare, tu dois envoyer ta candidature et puis tu as accepté selon les critères ou pas. Moi, je sais que si j'envoie demain ma candidature à une galerie d'art à Paris ou à New York ou peu importe, en disant voilà mes photos, est-ce que ça vous intéresse de bosser pour moi, avec moi? Il y a 0,00% de chance que je sois accepté parce qu'il va vouloir checker mon background. Surtout, il va demander à d'autres galeries s'ils ont déjà entendu parler de moi. Enfin, honnêtement, ça va être un certain step, quoi. Je vais devoir venir avec des références de malade mental pour y arriver et ça va être très compliqué. En plus,
du fait que j'ai commencé sur Instagram. Donc, autant dire, la chance est zéro, quoi, complètement nulle. Tandis que sur Superrare, qu'est-ce qui se passe? Les gens, effectivement, ils vont t'accepter. Donc, pareil, s'il y a une certaine sélection qui a lieu, on pourrait penser qu'il y a un gatekeeping, sauf que là, ils ne vont juger que l'art et l'art tout seul. Ils vont pas te demander si tu as déjà exposé pour telle galerie, si tu as déjà bossé pour tel client ou qui t'envoie quoi. Ils t'envoient ta candidature. Si ton projet est béton et si ton art est beau, t'es pris. Et rien que ça, pareil, l'artiste a le droit aujourd'hui de s'émanciper de toutes ces galeries, de tous ces gatekeepers finalement, et en fait de s'envoler tout seul, quoi. Je trouve que c'est pareil, c'est une révolution de malade. De s'émanciper de tous ceux qui venaient quelque part, non pas créer de la valeur, mais en prendre dans les projets, puisqu'à chaque intermédiaire, bah, chacun prend son cut, hein, chacun prend sa petite part, alors que pour un bon nombre d'entre eux, ils vivaient d'une forme de rente, en fait, d'une forme de système établi qui fait qu'on était obligé de passer par eux si on voulait se retrouver dans des galeries. Aujourd'hui, bah, il y a peut-être d'autres gatekeepers qui sont en train d'émerger, hein, parce que OpenSea, Rarible, toutes ces plateformes-là, elles sont évidemment qu'elles prennent leur Bien obol et leur sûr. écu à chaque fois. C'est dans toutes les ruées vers l'or, ceux qui ont toujours gagné le mieux leur pognon, c'était les vendeurs de pelles, hein. Il faut jamais l'oublier, ça. Et je suis sûr qu'il va y avoir un nouveau métier qui va émerger très très rapidement. Ça va être agent de NFT, quoi. C'est-à-dire, tu vas avoir des intermédiaires qui vont aller contacter des artistes qui ne sont pas encore dans le milieu NFT en disant, écoute, il y a une nouvelle opportunité, tu connais rien, mais laisse-moi gérer tout pour toi. Et moi, j'ai déjà mes contacts à gauche, à droite, et hop, et puis ils vont prendre leur cut. Ça, c'est si vous voulez, si les gars, si vous voulez vous faire de la thune dans les 5 prochaines années, devenez agent d'artiste pour NFT. C'est certain, quoi. Ou développeur. Développeur de Ou smart contract, je développeur. pense qu'aujourd'hui Ouais, c'est une c'est filière clair. qui est juste incroyable. Je remonte un petit peu dans le chat parce qu'on se pose des questions par rapport aux taxes. Évidemment, les taxes à payer, bah forcément, la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, est quelque chose qui est intrinsèquement lié au territoire sur lequel on se trouve. Et à partir du moment où on a une entreprise, à partir du moment où on fait du commerce, qu'on soit indépendant d'ailleurs aussi, ça fonctionne, c'est valable pour tout le monde. On a en principe une taxe sur la valeur ajoutée à devoir payer, qui est d'un pourcentage différent, évidemment, et selon les pays aussi. Et c'est, je pense d'ailleurs, un des projets de loi qui est sur la table en Belgique pour essayer de réguler ça, parce qu'il va devoir y avoir une régulation à un moment donné. Il C'est y quand a même le plein, Far ouais. West, hein, pour l'instant, c'est vraiment le Ça Far l'est West, hein. vraiment, ouais, carrément. Mais voilà, c'est une façon aussi de, quand je disais tout à l'heure, une nouvelle façon de pouvoir gérer des droits d'auteur. Ben, il y a un exemple au Canada qui est assez frappant, c'est un orchestre philharmonique où ils étaient 80, je pense, sur scène. Donc des gestions de droits d'auteur incroyablement complexes, évidemment, à gérer entre les producteurs, les diffuseurs, les différents types de droits, etc., etc. Mais grâce à la blockchain, ils ont pu écrire un contrat intelligent où ils spécifiaient les apports de chacun et donc la rétribution de chacun en fonction des différents droits d'auteur pour faire en sorte que l'œuvre, une fois produite, elle allait circuler. Il y allait avoir des gens qui allaient l'acheter, il y allait avoir des médias qui allaient diffuser cette œuvre-là. Et donc, de manière automatique, c'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que les contrats intelligents se déclenchent de manière automatique. Dès qu'on a un contexte qui est celui prévu par le contrat qui s'applique, typiquement une vente, eh bien derrière, la Un répartition se trigger, fait de quoi. Ouais. manière automatique. C'est vraiment, il y a plus d'humain derrière qui se dit oui, mais est-ce qu'on est vraiment dans le bon cas? Genre les assureurs, vous voyez? Il va y avoir Ouais. plein de trucs comme ça ou les notaires. Les il va y notaires, avoir plein de choses qui vont bouger. c'est un cas de figure. Désolé de te couper, mais moi, les notaires, pareil, quand j'essaye d'expliquer un peu les NFT à des gens qui n'ont jamais entendu parler des NFT, alors, je suis très optimiste sur cette technologie et sur le futur des NFT. Je ne sais pas du tout si c'est un bon conseil ou pas, mais moi, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'anticipe le futur. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe complètement, mais j'ai l'impression que dans 10 ans, tu n'achèteras plus ta maison ou ton appartement via un notaire. Tu vas l'acheter à un propriétaire directement. Sa maison ou son appart sera associé à un NFT et en fait, tu achèteras juste ton NFT qui sera en fait ton titre de propriété, quoi. Et tu n'auras plus besoin de passer par un notaire. Moi, c'est comme ça que j'imagine le futur. Est-ce que c'est peut-être un peu trop optimiste en me disant, bon, parce que l'État va vouloir quand même se sucrer derrière à un moment donné, comment est-ce qu'ils vont gérer ça? Mais en tout cas, les NFT peuvent aujourd'hui, la technologie existe, ils peuvent remplacer les notaires, quoi, si tu veux, pour autant que les lois et les États reconnaissent l'authenticité et la pertinence d'un NFT, quoi, en tant que titre de propriété. Mais le NFT en tant que tel, de nouveau, il y a autant de NFT qu'il y a de contrats qui sont générés. La technologie qui est derrière, elle est tout à fait légale. La blockchain qui supporte les NFT, c'est une technologie qui aujourd'hui est utilisée
par des entreprises qui est utilisée par des particuliers de manière tout à fait légale. Après, effectivement, il y a des projets qui, eux, s'approchent d'une forme d'illégalité. Et comme tu l'as dit, hein, à un moment donné, si personne ne paye d'impôts, il n'y a plus de route, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de... Donc, à un moment donné, il va bien trouver une manière de faire en sorte que la richesse qui est créée, à un moment donné, on puisse en récupérer une partie pour faire tourner l'économie, tout simplement. Et le bien commun, ça, c'est encore autre chose. Mais Bien sûr. c'est un vrai enjeu. Tu parlais de l'immobilier, bah, aux États-Unis, en Floride, entre autres, qui est un État qui est connu aux États-Unis pour être très, très crypto-friendly. Il y a des sites qui existent aujourd'hui où vous pouvez acheter en copropriété des biens immobiliers et où bah, vous le faites avec des NFT, des smart contracts, c'est-à-dire que le titre de propriété est réparti pour tous les propriétaires, tous ceux qui ont mis un peu d'argent dans la caisse, eh bien, ils se retrouvent avec un NFT qui est divisé. Le fractionnement des NFT, c'est aussi un truc qui est en train de devenir très, très important, parce qu'on peut avoir typiquement bah, un board app, par exemple, ou une de tes photos, Johan, qui est en vente sur Rarible, pourrait être fractionnée en plusieurs petites parts, et donc de détenir à plusieurs un NFT. Bon, on va retrouver toute une série de problématiques d'avant, genre par exemple le fait d'être en indivision. Quand est-ce qu'on peut décider de vendre l'œuvre si tous les propriétaires ne sont pas d'accord pour la vendre? Alors chacun va pouvoir vendre Ça, sa petite part. ouais. Enfin voilà, on est dans des mécaniques très 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 fines. Hein. C'est réellement passionnant et je pense, on commence à voir aussi les marques qui commencent à débarquer dans le milieu des NFT. On a vu cette semaine, enfin, la semaine passée, Nike, Adidas. Enfin, il y a beaucoup de marques qui sont vraiment en train de débarquer dans ce milieu parce que, comme on l'a mentionné, et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai envie d'insister, tu l'as vite fait mentionner aussi, les NFT ne sont pas que le crypto-art. Les NFT, imaginez les NFT comme une application géante dans laquelle tu as plusieurs sous-familles et le crypto-art en fait partie. C'est une des familles, c'est une des applications, des sous-applications des NFT. Mais comme on vient de le dire, les NFT, finalement, ce n'est jamais qu'un titre de propriété. Donc, on pourrait en parler bah, pour l'achat d'immobilier. Moi, j'imagine aussi, par exemple, typiquement une application future pour des marques. Imaginons une marque telle Louis Vuitton, où il y a beaucoup de contrefaçons qui circulent. Une personne voudrait acheter un sac Louis Vuitton en seconde main, mais il n'a pas vraiment la certitude à 100% qu'il va acheter une contrefaçon ou un authentique. Alors, j'ai jamais acheté de Louis Vuitton, je ne sais pas si quand tu vas dans la boutique, j'imagine qu'ils te délivrent quand même un espèce de certificat d'authenticité, un truc pour prouver son authenticité. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure ce truc est falsifiable ou pas. Ce qui est sûr, en tout cas, comment j'imagine l'avenir. Moi, j'imagine Louis Vuitton, admettons que chaque année, il crée 10 000 sacs qui sortent d'usine. Il y a 10 000 sacs qui sortent d'usine chaque année, Louis Vuitton. Bah, chaque année, Louis Vuitton va minter 10 000 NFT et chaque sac sera associé à un NFT. Et en fait, quand tu vas à la boutique, bah, tu recevras ton NFT qui va avec ton sac. Et puis, quand tu veux revendre ton sac à quelqu'un d'autre en seconde main, bah, la personne, pour vérifier que c'est un sac tout à fait authentique, il scanne son QR code NFT. Ça va le renvoyer vers le Etherscan de la blockchain où tu vas pouvoir voir toute la traçabilité, tout l'historique de ces NFT-là. Et tu vas voir que le créateur du NFT, c'est en fait effectivement l'adresse officielle de Louis Vuitton et pas Louis Vuitton au Chine, quoi. Et donc voilà, une application tout à fait bidon, mais où les marques, pour moi, vont vraiment jumper dessus parce que c'est tout bénef pour eux, quoi, clairement. On est en plein dans la documentation de tout ça. D'ailleurs, pour une émission qu'on est en train de monter avec Hélène 24 là-dessus, de vulgarisation de la blockchain. Et ça fait vraiment partie de tous les exemples qui sont remontés dans un des lives qu'on a fait la semaine dernière avec bah ici sur Twitch avec toute la communauté. Et cette application-là est vraiment un des usages de traçabilité où l'industrie va se rendre compte du potentiel de la techno. Parce qu'évidemment, la lutte contre les contrefaçons. Alors, pour des sacs Louis Vuitton, évidemment, pour le luxe, bah, on comprend bien l'intérêt pour ces marques-là de protéger leur IP, hein, leur propriété intellectuelle. Mais c'est valable aussi pour d'autres choses. On peut imaginer, notamment pour des médicaments, la traçabilité des médicaments. On sait qu'il y a un marché secondaire, un marché
Enfin, marché secondaire, quand on parle de NFT, c'est autre chose. Mais un marché noir du médicament, notamment en Afrique ou en Asie, qui fait des ravages parce que tout simplement les molécules qui sont mises dans ces médicaments sont juste dégueulasses. On va pouvoir les traquer grâce à la blockchain. C'est pas tant les NFT en fait, c'est la blockchain qui est derrière qui va permettre de le faire sous forme de contrats intelligents qui vont se déclencher. Solvay en Belgique a construit toute une supply chain autour de. Je pense que c'est. Alors je sais pas comment ça. C'est du Guarn, je pense que c'est comme ça s'appelle. Guarn. En gros, c'est un. Hop, je vais vous le montrer aussi à l'écran. C'est une capacité à pouvoir aller traquer une production qui est faite à l'autre bout du monde pour pouvoir l'amener jusqu'ici en Europe, par exemple, et de pouvoir, voilà, cette plante, eh bien, on va pouvoir traquer depuis le moment où elle a été collectée jusqu'au moment où elle va être vendue et avec toutes ses déclinaisons derrière, mais à chaque fois que c'est vendu, automatiquement, il y a un smart contract qui se déclenche et qui permet de rémunérer tous les producteurs qui sont derrière. Mais ça, voilà, ça fait partie des applications très pratico-pratiques, très industrielles, en fait, de la blockchain, au-delà simplement d'un NFT. Je montrais juste avant, et c'est de ça dont on parlait par exemple avec Nike. Évidemment, tout ce qui est habillage, skin sur vos personnages, si vous jouez aux jeux vidéo, vous allez pouvoir habiller vos persos avec des skins qui seront. Des NFT et là la hype est juste hallucinante parce qu'on rentre dans les métaverses, on rentre, et pas le métaverse, hein, Meta c'est Facebook, il n'y en a pas que un, il y en a plein des métaverses qui sont en train d'émerger, et donc il ne faudrait surtout pas résumer ça à juste Facebook. Mais la grosse différence qu'il y a par exemple avec Second Life qu'on a connu, Second Life ça date Tout de à fait, 2003, de ça fait 20 2004. ans, ouais. Ça fait plus de 20 ans, 20 ans ouais. qu'il existe ce métaverse-là. C'est qu'aujourd'hui, si Second Life se casse la gueule, ou si Fortnite se casse la gueule, ou si League of Legends se casse la gueule, tous vos avatars, tous vos accessoires, tous vos persos, bah, ils disparaissent. Ils ne vous appartiennent pas, en fait. La différence avec les NFT et la blockchain, c'est que l'avatar que vous allez créer, les accessoires dont vous allez l'habiller, ils L'art que vous vous allez appartiennent. acheter. L'art que vous avez acheté, tout à fait, vous appartiennent. Parce qu'ils sont liés à votre wallet numérique, à votre portefeuille numérique. Et donc, vous allez pouvoir vous balader, pas encore tout de suite, mais à terme, de métaverse en métaverse, avec votre avatar, habillé de la façon laquelle vous avez choisi, et avec des vêtements qui lui appartiennent, enfin qui vous appartiennent, que vous allez pouvoir vendre, que vous allez pouvoir, pourquoi pas même, emprunter. Puisque la blockchain, ben c'est aussi ce qui supporte les crypto-monnaies. Et les crypto-monnaies aujourd'hui amènent cette notion de finance qui se décentralise et où vous devenez votre propre banque. C'est ce qui fout les boules d'ailleurs aux banques pour l'instant. Alors je vois crypto-clubber comme les banques, une fois l'argent déposé, il disparaît. C'est un des gros enjeux. Et évidemment, la régulation va devoir aussi immanquablement. Passer par là parce que les États, parce que les banques, parce que voilà, il va y avoir toute une série encore de mouvements autour. Mais on voit, c'est un fil sur lequel on tire, hein. Voilà, on peut revenir à cette application de la blockchain via les NFT pour les photographes, puisque tu as lancé ça il y a quelques jours. Tu m'as dit c'était Il y a 2 jours, ouais. il y a 2 jours. Voilà. Il y a 2 jours. En Voilà. quoi ça consiste exactement? Tu fais une marketplace pour les photographes, c'est ça? Non, donc c'est pas une marketplace, c'est plutôt un index. Donc en D'accord. fait, pour donner un peu de background à l'histoire, comme j'ai mentionné au début, la communauté, elle est sur Twitter, mainly, quoi. Elle est principalement sur Twitter. Et donc j'ai passé les 4 derniers mois de ma vie, entre 2, 3 voyages, à être principalement sur Twitter parce que. Voilà, on peut voir, voilà, Damien mentionnait tout à l'heure que maintenant, sur les photos de profil sur Twitter, c'est des NFT, c'est des avatars. Ben, ça, typiquement, c'est un NFT que j'ai acheté à un autre photographe qui s'appelle Tyler Shields, qui est un photographe assez connu à Los Angeles. Et c'est un NFT que je lui ai acheté il y a 3 mois. Et j'en ai créé, c'est devenu mon identité. Donc aujourd'hui, j'aurais du mal, je pourrais le revendre ce NFT-là, mais j'aurais du mal à m'en séparer parce que ce petit Batman-là, c'est devenu un peu mon identité et les gens voient ce Batman et ils associent directement à mon nom. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a un mec assez connu dans le milieu des NFT, qui est un développeur qui s'appelle Richard, qui a un CryptoPunk, donc un des plus gros CryptoPunk, c'est un des NFT les plus rares, enfin les plus chers en tout cas dans le milieu des NFT. Il a refusé, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais je pense qu'il a refusé, est-ce que c'était pas 10 millions de dollars ou, enfin, on était dans les millions de dollars en tout cas. Il a reçu une offre pour son NFT et il a refusé.
L'offre, tout simplement, pourquoi? Parce qu'il a expliqué, c'est devenu mon identité. Aujourd'hui, les gens sur Twitter, tout le monde des NFT me connaissent grâce à cet avatar-là. Et ce n'est pas que j'ai refusé de vendre mon NFT, j'ai refusé de vendre mon identité, ma marque, quoi. C'est devenu sa marque et voilà, il a refusé de le vendre. Donc, c'est quand même, on parle de vrai marketing, de stratégie marketing ici. Et c'est sûr que je pourrais changer demain de photo de profil, mais les gens vont plus voir. Enfin, je pense qu'aujourd'hui sur Twitter, les gens ne regardent pas le nom ni le username. Le premier truc qui leur saute aux yeux, c'est Ah ouais, je me souviens de ce Batman, quoi. Donc je sais que c'est lui. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Donc comme je Et disais, bah, j'ai passé c'est 4 mois de très ma vie là. Vas-y. représentatif, hein. C'est très très représentatif, hein, parce que les CryptoPunks ou les Bored Apes, ils sont très très visuels et on les voit arriver de loin. Alors il peut y avoir Ouais, des ouais. fakes, évidemment, mais si on se fait gauler par une communauté en train d'utiliser un NFT dont on n'a pas les droits, on se fait défoncer, hein. D'autant plus que Twitter a annoncé récemment qu'ils vont bientôt incorporer ça à Twitter et qu'ils vont pouvoir, ils vont De avoir un vérifier. level d'authentification, quoi. Donc, ils vont, si tu utilises un NFT en photo de profil, Twitter va pouvoir le certifier et donc éviter aux gens qui utilisent illégalement, je mets des guillemets, des NFT en photo de profil. En tout cas, c'est pas le leur, quoi. Donc, ça va être une certaine couche d'authenticité assez sympa qui va arriver. Et donc, comme je disais, j'ai passé 4 mois de ma vie là sur Twitter à me construire ma communauté. Donc, pour donner un peu de contexte, ben pendant ça fait 12 ans que j'ai mon compte Twitter. Jusqu'au mois de juin, il était bloqué, il restait bloqué à 4000 abonnés, quoi. Et ça fait 10 ans que je l'ai, il restait bloqué à 4000 abonnés. Et donc là, en septembre, je l'ai réactivé, je me suis mis à fond dans la communauté. Mon but était de devenir un espèce de leader d'opinion axé sur une thématique bien précise, c'était la photo NFT. Et donc, je parlais plus que de photo NFT. Donc, en gros, si tu voulais t'intéresser à la photo NFT, bah, tu avais tout intérêt à me suivre parce que j'allais balancer 100 tweets par jour sur la photo NFT. Et voilà, en 4 mois à peine, je suis passé de 4 000 à 11 000 abonnés et ça continue à grossir tous les jours. Et donc, ça a été 4 mois de travail intense à créer une communauté, à créer, pareil comme j'ai fait au début sur Instagram, quoi, avoir mon nom un peu partout, et que les gens m'associent un peu plus à cet aspect crédibilité dans le monde du milieu NFT photo, pour qu'à terme, là, j'avais encore jamais mis en vente un seul NFT, pour qu'à terme, le jour où je mets en vente un NFT, ben, les gens ne disent pas, ouais, c'est encore un autre de plus qui balance un NFT de plus. Ils disent, OK, ce mec, ça fait 4 mois qu'on le voit passer partout. Maintenant, il débarque dans le game, ça devient intéressant, quoi. Donc, c'était toute une stratégie de communication une stratégie de lancement de marketing, quoi, qui est une des bases du marketing de vente. Et ça a payé, ça a payé à tel point que le NFT, quand je l'ai mis en vente, 12 heures plus tard, il était déjà vendu. Tout le monde n'a pas la chance, malheureusement, d'être aussi prolifique en si peu de temps. Moi, honnêtement, vraiment, j'avais très peu d'espoir. Je m'étais dit, parce que je l'avais mis en vente à un certain prix quand même, et je m'étais dit, je suis prêt, j'ai compris qu'une des règles dans les NFT, c'est de baisser toutes ses attentes, vraiment de revoir toutes ses attentes. Et de toute façon, moi, je suis là pour le long run, je suis là pour les prochaines années à venir, quoi. Je crois tellement en cette technologie qu'il n'y a pas de raison que je suis là pour juste quelques mois. Donc, j'étais prêt à attendre 6 mois, 1 an que mon premier NFT se vende. Voilà, j'ai eu la chance qu'ils vendent au bout de 12 heures, c'était incroyable. Mais tout le monde n'a pas cette chance-là. Maintenant, est-ce que le fait que j'ai passé 4 mois à ne faire que du Twitter, à ne travailler ma communauté, mon audience pendant 4 mois non-stop, j'imagine que ça a joué. Certainement, en tout cas. Et donc, l'idée avec le site que tu viens de mentionner, le site que j'ai balancé hier, il y a 2 jours, c'est un site qui s'appelle donc nftphotographers.xyz. Qui se veut en fait un index. Donc, si tu vas sur la home page, enfin, en fait, non, si tu cliques sur Advanced Search, ça va être beaucoup plus clair dans le menu en haut. En gros, tu vas voir, donc il vient d'être lancé. Donc, pour le moment, il y a une sélection de photographes que j'ai été handpicked moi-même et je leur ai demandé de venir. En gros, j'avais envie de créer une communauté, enfin, un site, un index qui permettrait à la fois aux photographes de pouvoir. Connecter, de pouvoir entrer en contact les uns avec les autres. Moi, en tant que voyageur, ben, je suis souvent amené à voyager. Je prends un exemple, demain, peut-être que je vais à Bangkok et j'ai envie de rencontrer des photographes NFT qui sont à Bangkok. D'autant plus que sur Twitter, j'ai vraiment remarqué que la communauté NFT photographe était tellement soudée, elle était vraiment très, très solidaire. Donc, je sais que si je balance un tweet demain en disant, voilà, j'arrive à Bangkok, qui veut boire une bière avec moi? Je sais que je vais avoir des gens qui vont me répondre. Maintenant, j'avais envie d'avoir la certitude que mon tweet allait être vu. Et surtout, j'avais envie de passer par un outil un peu plus facile pour éviter tout le bruit qu'il y a sur Twitter. Parce que vraiment, sur Twitter, les choses se passent très vite.
et il y a énormément de bruit. Donc, j'avais envie de créer un outil où les photographes créeraient un profil sur le site. Et maintenant, Damien, si tu vas dans Explore Map, tout en haut dans le menu, en gros, tu vas arriver sur une carte du monde où tu vas voir tous les photographes qui vendent des NFT sur une carte. Et donc, demain, si je vais à Bangkok, j'ai juste à aller sur l'Inde, sur la Thaïlande, et je vois, ouais, ok, il y a un mec qui vit à Bangkok, je vais le contacter, quoi. C'était ça l'idée de base. Ok. Et puis, je voulais créer aussi un outil qui permettrait aux collectionneurs qui, demain, ont envie d'investir dans la photographie NFT très précisément, de pouvoir trouver des nouveaux photographes, des nouveaux talents sur base de plein de critères de recherche. Et là, tu as tous les critères à ta gauche, avec plein de filtres différents, le prix de base d'un NFT, est-ce qu'il a déjà été acheté par tel ou tel collectionneur avant, est-ce qu'il est en vente sur tel ou tel marketplace, sur quelle blockchain est-ce qu'il est en vente, enfin bref, plein de critères différents pour juste faciliter la vie aux collectionneurs qui ont plein de crypto à balancer. Donc, on les appelle des whales, des baleines. C'est des mecs qui ont investi en crypto il y a 10 ans et qui sont multimillionnaires en crypto-monnaie. Donc, ça changerait à leur vie de dépenser 30 000 balles dans un NFT parce que, en vrai, ça leur a coûté 10 euros il y a 10 ans. Mais donc, Et voilà, qui c'était peuvent ça l'idée, pas les quoi. sortir dans leur système dans le système bancaire En actuel. plus, ouais, ils sont bloqués avec leur crypto. Donc, ça change, pour eux, vraiment, ça change rien. Donc, en gros, aujourd'hui, ils investissent dans l'art en spéculant sur le fait qu'un artiste va prendre de la valeur dans les 10 prochaines années. Et donc, voilà, c'était ça l'idée. C'était créer, en fait, je voulais créer le TripAdvisor des photographes NFT sans l'aspect rating et review, quoi. C'était juste un index général. Ok, bah, ça a deux Voilà. jours, il y a déjà plein de trucs. Donc c'est toi qui a rempli l'ADB à la main au départ, avec... Non, donc moi j'ai juste créé. Non, c'est un site. Je suis pas du tout développeur. Je sais faire des sites WordPress, donc c'est un site WordPress. Donc j'ai fait ça en 2 semaines sur WordPress. Et là, une fois que le site était prêt à être lancé, j'ai fait un appel sur Twitter pour demander à des photographes s'ils voulaient bêta tester le site avec moi. J'ai reçu 500 candidatures. Donc j'ai été choisir 60 photographes parmi ces 500. Ils ont chacun complété leur profil. Donc ça, les 60 qui sont là en ligne, ce sont eux. Et en fait, maintenant, l'idée de base, je voulais que ce site soit accessible à absolument tous les photographes NFT. Donc, si tu vends du NFT avec tes photographes, tu pouvais créer un profil. Sauf que, il y a une semaine, j'ai créé un Discord, un serveur Discord, en disant, voilà, les gars, j'annonce bientôt un projet, venez sur le Discord, c'est là que ça va se passer. Et le Discord a explosé, enfin, il y a eu 500 membres en 24 heures. Je me dis, oula, si demain, il y a 500 photographes qui arrivent et qui balancent leur profil sur le site, on va se retrouver avec le même problème qu'il y a sur Twitter actuellement, c'est-à-dire je peux je vais pas pouvoir filtrer parce que il faut enfin, il y a une réalité, c'est que tout le monde n'est pas bon photographe. Aujourd'hui sur Twitter, tu vois passer quand même beaucoup de trucs un peu bidons. Tout le monde pense qu'il est le meilleur photographe alors que c'est pas vraiment la réalité. Donc j'avais peur que le site que j'avais créé redevienne beaucoup trop bordélique, quoi. Et donc, j'en ai parlé un peu avec ma team que j'ai créée autour de moi. J'en ai aussi parlé aux collectionneurs. J'ai été pitcher le projet à des collectionneurs en disant, voilà, est-ce que tu préfères avoir accès à une plateforme où tu retrouveras tous les photographes NFT sur la plateforme, ou est-ce que tu préfères qu'il y ait une certaine forme de sélection et de curation, comme on dit, avant? Et en fait, tout le monde m'a dit, non, mais c'est beaucoup mieux si on arrive sur une plateforme où, en fait, il n'y a que les meilleurs qui sont sélectionnés sur base simplement de l'art, pas sur base de leur nombre d'abonnés, pas sur base de leur clout. Juste l'art, quoi. Et donc, en fait, on a décidé de faire sur candidature. Et donc là, les photographes, on l'a annoncé hier sur Twitter. Et les gens ont 10 jours, ils ont jusqu'au Nouvel An pour envoyer leur candidature, remplir leur profil, envoyer leur candidature. Et moi, avec une team de 10 photographes et peut-être des iconographes, donc on va vraiment faire une sélection où on va faire ça à l'aveugle, quoi. On va juste regarder l'art, juste les photos qui vont uploader. On va pas regarder rien d'autre, juste l'art. Si l'art nous parle, ben, on les whitelist et donc là on va sélectionner un premier batch de 200 photographes et puis tous les 2 mois on va réouvrir les applications pour un nouveau batch de photographes ainsi de suite, quoi. Voilà, c'était l'idée. T'as mentionné Discord, qui au départ aussi est une plateforme de gaming, hein. C'est extrêmement Ouais. lié à Twitch au départ, c'est parce que les mécaniques derrière sont très gamifiés, il y a des points, il y a des robots, il y a des avatars, il y a des emojis à s'en faire péter. On est vraiment dans cette culture-là et dans les commentaires, on disait ça ressemble à un nouveau réseau social destiné aux photographes NFT. Bah, le Discord va servir un peu de ça, non? C'est ça. Donc, en fait, le site, c'est pas du tout un réseau social. Il n'y a pas d'aspect
d'interaction en photographe, si ce n'est que tu peux juste envoyer un message direct à un autre profil. Voilà, ça se limite à ça. Mais il n'y a pas de follow, il n'y a pas de like, il n'y a rien du tout. Mais voilà, par contre, le réseau social, ça va se passer sur Discord, effectivement. Donc là, c'est un Discord exclusivement destiné à la photo NFT, et à la photo en général. Mais en gros, tu vas avoir vraiment des channels destinés où on va parler marketing, on va parler marketplace, on va parler collectionneur, on va parler, voilà, tout ce qui est lié à l'environnement photo NFT, quoi. Et donc là, ouais, il monte, ça fait une semaine qu'il est lancé, il y a déjà plus de 700 membres, bientôt 800 membres dessus, et dont 100 collectionneurs, donc c'est vraiment cool, ouais. Merci beaucoup pour le sub dans le chat. Merci, merci, ça fait plaisir. Bah ouais, parce que il va y avoir ce côté aussi curation qui est important. Et on retombe sur la curation en ligne, c'est quelque chose qui existe, qui est vieille comme Internet, c'est réussir à trouver du signal dans le bruit. Mais la curation, ça existe aussi depuis toujours dans le monde de l'art. Les galeries Bien font de la sûr. curation pour savoir qui on va venir mettre, qui on va exposer et l'étoile de qui on va accrocher au mur. Donc ça fait tout son sens aussi que ces termes-là soient utilisés aussi. Pour ce que tu es en train de faire ici. Est-ce que vous avez des questions dans le chat? N'hésitez pas, hein. J'essaye de retrouver un truc que j'avais testé. Hop. Par rapport justement à l'aspect galerie d'art, parce qu'il y a moyen de faire des trucs assez comiques. Ah voilà. Bon, ça va valoir ce que ça va valoir, hein. Mais je vais vous montrer un truc. Hop. Tu disais que tu avais vendu un NFT. Tu l'as vendu combien? 7 Ethers. J'en ai vendu 2 pour le moment. Sur les 3 que j'avais Wow. mis en vente, j'en ai vendu 2, ouais, à 7 Ethers chacun. Ils sont sur ton site, Ils sont j'imagine sur que tu dois. Superrare, ouais. Ils Superrare. sont Bah, sur t'avais Super Rare. l'onglet ouvert là, Ouais. justement. On va aller les regarder. Donc, et pareil, là, donc là pour le moment, il n'y a qu'un seul collectionneur qui l'a acheté. Donc, l'historique, il est assez simple. Tu vois juste que moi, je l'ai mis en vente, je l'ai balancé sur la blockchain, et puis tu vois que tel collectionneur l'a acheté. Maintenant, si ce collectionneur le remet en vente, pareil, la traçabilité. Bon, celui-là n'a pas été acheté encore, c'est le Ah, dernier que c'est j'ai pas mis en vente, celui-là. mais là tu peux voir dans. Non, ça c'est ouais, ça c'est le dernier. D'ailleurs, aujourd'hui, j'en balance un quatrième. Ah, Donc, c'est l'idée en celui-là. fait, c'est que voilà, ouais, le premier, enfin, je sais pas sur lequel tu es, mais les deux autres, voilà, les deux autres ont été vendus. Donc ça, c'était le tout premier, donc on appelle ça le Genesis Piece, la pièce genèse, qui est mon tout premier NFT sur la blockchain ever. Donc forcément, c'est un peu, d'un point de vue collectionneur, c'est un peu la pièce la plus importante. C'est la première pièce artistique d'un artiste en envie d'être le propriétaire, etc. Et cette pièce-là, en l'occurrence, j'ai eu la chance énorme. Elle a été achetée par un des plus gros collectionneurs du monde, des NFT Metaverse. C'est un mec qui s'appelle Whale Shark, c'est un investisseur depuis 10 ans dans la crypto. Enfin, le mec, il est très très lourd. Il a sa propre crypto-monnaie. Il pèse lourd, et le jour, il y a 2 semaines quand il l'a acheté, il y a 3 semaines, c'est le jour où il s'est dit, bah, ok, maintenant aujourd'hui, je vais commencer à acheter de la photo, du NFT photo. Il n'avait encore aucune photo dans sa collection, alors qu'il possède déjà 400 000 NFT, le gars. Donc il pèse lourd, 400 ouais. Et 400 000 NFT, ouais. Et donc j'étais le premier photographe chez qui il a acheté de la photo. Et en fait, suite à ça, le mec est tellement énorme qu'il a créé un tsunami. Et donc ce jour-là, en fait, il a acheté une cinquantaine de NFT photos. J'étais le premier, j'étais complètement, j'hallucinais. Et il y a un tsunami qui s'est créé où, en fait, tous les autres collectionneurs qui suivent forcément s'y fait, tellement il pèse lourd. Tous les autres collectionneurs se sont dit, OK, putain, si ce mec investit dans la photo, c'est qu'il faut investir dans la photo. Et donc, ça fait 3 semaines que tu as des collectionneurs du monde entier qui sont en train d'investir à mort dans les photographes, simplement parce que tu as un mec il y a 3 semaines qui s'est dit, OK, je pense que je vais investir dans la photo. Enfin, c'est incroyable, incroyable. En fait, le luxe a été dématérialisé. Bah oui, il y a un peu de ça, hein. Il y a un peu de ça. Et en même temps, l'œuvre physique. La personne qui achète ton NFT là, il reçoit aussi l'œuvre en physique ou comment ça se Le passe? print, ouais. Donc ça, c'est tout à fait aléatoire, c'est propre à l'artiste. Moi, j'ai décidé de le faire. Donc moi ici, je vends mes tirages physiques en édition limitée. C'est des éditions limitées à 7 exemplaires. En l'occurrence, on n'a pas encore mentionné, on n'a pas parlé de ça, mais les NFT, pareil, les NFT, vu que c'est une œuvre d'art, libre à l'artiste de les vendre en édition limitée. Alors, tu les limites à un seul exemplaire, à 10 exemplaires, à 100 exemplaires, ou tu peux faire des éditions ouvertes. Et alors, il y a plusieurs mécanismes qui existent. Tu peux dire, voilà, cet NFT-là existe en édition ouverte, donc illimité, mais pour un certain laps de temps. Il est mis en vente, par exemple, pour 20 minutes.
Donc, si en 20 minutes, tu as 10 000 personnes qui l'achètent, bah, il existera en 10 000 exemplaires. Mais si en 20 minutes, tu as seulement 3 personnes qui l'achètent, bah, il n'existera qu'en 3 exemplaires. Voilà, c'est différents mécanismes. Moi, cette photo-là, en l'occurrence, j'ai décidé de la vendre en un seul exemplaire. C'est-à-dire que je ne pourrais plus jamais la vendre sous forme de NFT. C'est le seul exemplaire qui existera dans le monde. Au même titre que mes photos physiques, elles n'existent qu'en 7 exemplaires. C'est-à-dire qu'une fois que les 7 exemplaires ont été achetés, je n'ai plus le droit d'imprimer un 8e exemplaire. C'est terminé. Il n'y aura que 7 exemplaires qui existent dans le monde. Et donc, le collectionneur, à chaque fois maintenant, les NFT que je balance, je réserverai le numéro 1 sur 7 de chaque tirage physique pour le collectionneur. Et donc, je lui envoie un tirage physique avec un certificat d'authenticité, signé, numéroté, etc. Et donc, lui, en l'occurrence, Whale Shark, qui vit à Hong Kong, recevra dans les prochaines semaines ou mois un NFT. Donc, il faut que je m'arrange avec lui, quoi, pour avoir son adresse et que je lui envoie tout ça. Et pour la petite info, pour les étudiants qui sont avec nous, sachez qu'à la fin du cours, vous allez recevoir aussi votre NFT du lab, puisque j'ai créé des séries d'NFT qui sont des badges, un peu comme chez les scouts, hein, qui dit voilà, t'as participé à un de mes cours, t'as participé à un des projets sur lesquels je bosse, et bien tu vas recevoir des POAP. Le simple fait de participer dans le Les chat POAP. vous en fait. Voilà, c'est ça, les fameux POAP avec lesquels. Yes. On expérimente un certain nombre de choses. Le truc que j'ai testé aussi, c'est la galerie virtuelle. Cyber, ouais, c'est cool ça. Voilà. Il y a beaucoup de collectionneurs qui utilisent ça pour exposer leur collection. Voilà. Et ça, c'est un truc, c'est gratuit. Hein. Vous pouvez l'utiliser vous-même. Hein. Vous pouvez venir mettre vos NFT. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en NFT sur OpenSea des interviews et des chroniques que j'ai faites. Notamment avec le fondateur de Google, notamment voilà, avec des gens comme ça. Et back in the times, dans une autre vie, quand j'étais journaliste, j'en ai fait des NFT sur OpenSea. Ils sont pas tout à vendre, hein, mais parce que forcément pour les minter, il faut payer les frais en Ether. C'était pas le but, c'était juste le pouvoir de pour pouvoir le tester. Mais voilà, vous pouvez avoir votre propre petite galerie virtuelle avec vos NFT, avec la collection que vous pouvez avoir d'ailleurs aussi. Que vous allez pouvoir mettre en avant. D'autres choses encore à... Est-ce que vous avez des questions d'ailleurs dans le chat? N'hésitez pas. Hein. Hop, donc je remets ton compte Twitter, puisque manifestement c'est par là qu'on peut rentrer en C'est là que contact ça avec se toi, aller passe, voir un ouais. peu tout ce que tu fais, et c'est là que ça se passe. Et puis ton site sur Super Rare pour aller Donc là, voir. si tu scrolles, donc je vais préciser un truc. Là, voilà, tu peux voir l'historique. Donc tu peux voir le jour auquel j'ai minté. Et si tu cliques sur TX, View TX, View Transaction, alors là, ça va en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ça va envoyer sur Etherscan, donc qui est un site. C'est le site qui va scanner toutes les adresses Ether, donc qui va scanner la blockchain en fait. Toutes les transactions qui se passent sur la blockchain Ethereum, c'est là que ça va se passer. Et donc sur ce site-là, bah, tu vas avoir tous les détails de la transaction. Ici, je ne sais pas sur quelle transaction tu as cliqué, mais La admettons que sur la dernière, je transaction. pense. Je crois que la dernière, du coup, c'est le collectionneur qui a transféré son NFT à son coffre-fort, quoi. Il a un coffre-fort NFT. Voilà, c'est ça. Et donc c'est le collectionneur qui s'est transféré son NFT sur son coffre-fort pour des raisons de sécurité. Et donc là, on voit que Whale Shark a transféré son NFT à The Vault, qui est le nom de son coffre-fort. Mais donc tout est traçable, tout est complètement transparent. Et en fait, c'est ça la beauté de la blockchain, quoi. C'est que alors Voilà, ça peut rester ça c'est anonyme, la hein, faut pas penser que transaction. c'est pas anonyme. Ça c'est la transaction, Voilà. Et c'est donc l'achat, ça. ça. C'est ça. Et alors, ce NFT-là, donc moi sur SuperRare, j'ai la possibilité de créer mon propre smart contract. Donc là, ce NFT-là, je les ai balancés sur mon propre smart contract. Donc ici, en l'occurrence, le smart contract s'appelle Highlands. C'est le nom de la série, de la collection que j'ai balancée. Et donc, ça veut dire que si vous allez sur OpenSea, qui est en plus d'être une marketplace, ça va être aussi un. Il va référencer tous les NFT qui sont disponibles sur la blockchain Ethereum. Et donc, il suffit de taper Highlands, ou ici, en l'occurrence, le nom de la collection Highlanded, et tu vas voir vraiment qu'il y a sa propre collection dédiée sur OpenSea. Et elle va apparaître aussi sur OpenSea parce que c'est un NFT en plus, c'est un smart contract qui fait partie de la blockchain Ethereum. Bah voilà. C'est quoi la suite alors pour toi? La suite, Ouais. ben, la suite, ça va être, la suite, ça va être. Clairement, ici, comme j'expliquais, quoi, pour moi, je vois une énorme porte de sortie
par rapport à tout ce qui me déplaît dans ma vie de photographe, c'est-à-dire devoir accepter des contrats qui sont moins plaisants, mais seulement parce qu'ils payent mieux que les contrats qui sont plaisants mais qui payent pas. Donc pour moi, je vois ça comme une porte de sortie. Donc je vais pas faire que du NFT, ça n'a aucun sens parce que mon but à la fois, enfin, j'ai envie d'être photographe et d'être dehors et faire des photos, ça c'est évident. Mais clairement, comme je le vois, c'est qu'il va d'office avoir une certaine partie stratégique. Le business plan va d'office être lié à l'aspect NFT, ça c'est évident. Mais au même titre que les 2 dernières années, le business plan était lié à la vente de tirages physiques. Bah, c'est sûr que maintenant, plutôt que de passer énormément d'efforts à essayer de vendre des tirages physiques, ce qui est quand même assez difficile, bah, je vais mettre autant d'efforts, mais à vendre des NFT, quoi. Voilà. Et puis essayer de développer d'autres projets, voir où le site développe et on verra. J'attends de voir le premier virus historique être proposé en NFT, le Covid en Ah. NFT. Ah ben, la nature humaine étant ce qu'elle est, il va y avoir un paquet de, il va y avoir un paquet de merde. D'ailleurs, ne Ouais. cliquez jamais sur des, si vous êtes dans Discord, que vous recevez des messages privés qui vous disent, ouais, t'as gagné du NFT, viens cliquer là. Si vous cliquez dessus et que vous installez, que vous validez là, un smart contract avec votre MetaMask, vous allez vous faire siphonner vos wallets. Donc ne le faites pas, jamais, jamais sur les, en tout cas en DM, jamais personne ne vous, personne de sérieux en tout On cas vous ne vous offre, ouais, demandera, voilà, pas de lien en DM, quoi. Ça, pas c'est de évident. lien en DM. Même en public, hein, faites gaffe, quoi. Il y a quand même, Ouais. essayez vraiment de vérifier la source, qui envoie le lien, si vous le connaissez ou pas, si vous le connaissez pas. Moi, ici, pour la petite histoire, c'est marrant. Le deuxième NFT que j'ai vendu, c'est un mec que je connaissais pas du tout, un collectionneur qui est pas très connu. Il m'a envoyé un DM sur Twitter. Il me dit, salut, j'adore ton art, vraiment j'adore, je suis honoré de découvrir ton art. Déjà, je trouvais ça, c'était un peu too much déjà dès le début. Je dis, voilà, ok. Et puis il me dit, est-ce que voilà, je suis un collectionneur, j'ai collecté, j'ai déjà acheté pas mal de trucs. Est-ce que tu pourrais aller voir enfin, va voir ma collection et dis-moi ce que tu en penses. Et donc il m'envoie un lien. Et je dis, écoute, je suis désolé, mais je clique pas sur les liens en privé, quoi. Est-ce qu'il y a pas moyen que tu… Ben, vraiment, je le sentais pas. Je me dis, c'est un arnaqueur, il va me scammer, c'est pas possible. Et en fait, le mec a dépensé 7 Ethers. Un jour après, il a dépensé 7 Ethers pour mon NFT. Donc le mec était vraiment 100% legit. Mais pareil, voilà, même pour lui, j'ai vraiment pris, j'ai fait gaffe, quoi. On sait jamais, tu sais jamais sur qui tu vas tomber. Peut-être que le lien, il contient un virus ou un hack et il va te, comme tu dis, il va siphonner tout ton wallet et tu te retrouves sans rien, quoi. Donc, faites gaffe. C'est encore le Far West. Donc c'est tentant, c'est excitant, c'est une terre à aller défricher, littéralement. Mais comme au Far West, bah voilà, il y a des mecs qui sont là pour rançonner les diligences, quoi. Et donc faites gaffe. Vu que C'est c'est vrai ça. décentralisé, vu que c'est décentralisé et qu'il n'y a plus d'organisme de banque, on vous met, vous les utilisateurs, la responsabilité à 100% sur vos épaules. Donc, et ça, a priori, ça va rester comme ça. Vu que c'est la définition même, c'est l'essence même, le spirit de la décentralisation et de la blockchain. Donc, c'est à vous vraiment de vous assurer chaque fois que bah, vous faites gaffe, vous vérifiez les sources, vous vérifiez vos liens sur lesquels vous cliquez, votre wallet. Ben, il y aura pas de seconde chance, quoi. Si on vous pique votre seed phrase, qui est une série de 12 à 24 mots, qui est le seul moyen de récupérer votre wallet, de crypto-monnaie ou de NFT, si vous le perdez, c'est terminé. Voilà. Il y a pas de seconde chance. Il n'y a pas à récupérer mon mot de passe. Vous êtes responsable et vous êtes l'unique responsable de vos fonds. Donc, c'est aussi la beauté de la décentralisation. C'est que ça ne tient qu'à vous, quoi. Si ça vous intéresse, dans le chat, je vous mets un lien vers un petit tuto que j'ai réalisé pour vous créer votre MetaMask, justement, et vous donner un peu la possibilité de, pas à pas, de pouvoir vous créer votre premier wallet numérique. Voilà. On va tout doucement rester là. Il est 11h15. J'avais promis à mes étudiants qu'ils allaient pouvoir encore travailler un peu ce matin, parce qu'ils ont du boulot sur la planche. Mais merci à toi, Johan, d'avoir été avec nous tout ce matin. Bonne chance pour la suite, bonne chance pour la plateforme, Merci. et puis dans la vente de tes NFT. On peut te retrouver sur Twitter. C'est le backpacker et tous les liens sont là, nftphotographers.xyz, avec évidemment le Discord associé. Voilà, si vous voulez échanger, discuter, rencontrer des gens et pouvoir discuter de ces à la fois des photos, surtout peut-être des photos, et accessoirement de la façon dans laquelle vous allez pouvoir supporter vos artistes. Voilà. Un tout grand merci. Je ne sais pas s'il y a encore des remarques dans le chat. On va où est-ce qu'on va raider?
Si vous connaissez des Twitchers, des gens que vous aimez bien, des trucs à découvrir. Toi, Johan, sur Twitch, tu suis Ah, moi, je ne suis pas du tout sur des Twitch, streamers. malheureusement. J'ai pas encore le réflexe Twitch, pas encore. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chez C'est cool les cours de nos jours. Bah ouais, on s'adapte, hein, on s'adapte, c'est ça qui est cool aussi, ça permet d'expérimenter des choses et puis voilà, de mettre le pied à l'étrier aussi. On va aller chez Moray et je pense que c'est un ancien de l'IEX d'ailleurs. Donc voilà, on va raider chez lui, restez avec nous encore un petit peu, faites-lui un coucou, dites-lui bonjour, voilà, intéressez-vous à ce qu'il fait encore 5-10 minutes et puis retournez bosser les étudiants et puis tous ceux qui sont pas au cours avec moi, continuez vos journées, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord aussi pour discuter de tous les projets sur lesquels on travaille de manière le plus ouverte possible. On a l'émission de télé qu'on est en train de mettre en place avec Hélène 24, on a toute une série de choses sur lesquelles on est en train de préparer des couvertures de festivals de nouvelles technologies en France, aux États-Unis, on va aller à South by Southwest en mars. Inch'Allah, si on peut recommencer à voyager. On va aller à The Next Web, à Amsterdam en juin. On ira au Laval virtuel en avril en France et au Festival international de journalisme à Pérouse début avril aussi. Donc si vous voulez embarquer avec nous dans l'aventure, vous allez sur davanac.media. Vous rentrerez dans le Discord où on discute de tout ça. Voilà, on va chez Moray. Merci à vous tous. On se retrouve bientôt. Je vais lancer le raid. Il fait de la musique. Vous pouvez aller lui dire un coucou.